À l'époque, Satan, c'était, du temps de Jules Verne, quand il venait à Chandelay, c'était la campagne. Hein. Il habitait près de la rue Crébillon, et puis il venait à Chandelay, c'était la campagne. Il venait en vacances, là, donc c'était quand même pas loin. Et là, il y avait des zones comme ça, où il n'y avait rien. C'était la séparation entre vraiment la ville de Nantes et puis l'ouest de la ville, c'est-à-dire Sainte-Anne-Chandelay. Alors là, il y avait des bricoleurs, là, dans les grands ados, il y avait des bricoleurs, ils prenaient des planches et les parents nous fournissaient des roulements, ceux qui travaillaient au chantier ou dans les industries, des roulements à billes et assez gros. Et les grands ados fixaient ça sur des planches et on descendait l'avenue Sainte-Anne sur ces planches à roulettes. Là. C'était les premiers skates. Hein, et on innovait à l'époque. Hein. Ça roulait moins bien que les planches qu'on fait à l'heure actuelle. Et c'était un jeu passionnant, ça, forcément. Puis, il n'y avait pas de circulation, il n'y avait rien à l'époque. Donc, on était libre. On pouvait faire ce qu'on voulait, là. Donc, c'était un... j'ai souvenir de ça. Et puis, il y avait un autre jeu, c'était descendre la rampe de Sainte-Anne sur les fesses. Hein. Ça, c'était aussi... Alors, de temps en temps, il y avait des boules. Il fallait s'arrêter avant les boules, quand même. Hein. Voilà des souvenirs. Et puis bon, les parties de vélo dans le quartier, là, il y a toujours là, avec des petits passages très étroits où il fallait pas écarter trop les mains parce qu'on se frottait les mains sur les murs des passages. Quoi. Il y avait un renard sur les quartiers qui logeait dans une carrière juste derrière le jardin où j'habitais. Il y avait un terrain vague avec une ancienne carrière, parce qu'il y avait beaucoup de carrières ici dans le quartier. Pour sortir la pierre pour construire les maisons. Donc on avait une carrière derrière chez nous. Et pendant la guerre, il y a un renard qui est venu s'établir. Et ce sacré renard, moi je l'ai vu plusieurs fois, il bouffait les poules de mon père. Alors je peux rien dire que ça foutait la panique un peu dans le quartier. Et à la fin de la guerre, il y a une bande de chasseurs qui se sont dit « On va aller à la chasse au renard. » Ils ont fait une battue au renard et puis ils l'ont tué. Quoi. Mais il était très beau. Très très beau. Et il était pas... on le voyait en plein jour. Hein. Il se promenait sur les murs des jardins comme ça en plein jour. Mais comme il n'y avait personne, les hommes travaillaient, ils n'avaient pas leur fusil avec eux. Et puis la nuit, ils venaient piquer les poules. J'ai souvenir de ça, voir les poules égorgées, machin. Et puis, souvenir de jeunesse du quartier.